Coucou, je n'ai pas fini, j'ai reçu un coup de fil important et il fallait absolument que je finisse ce que j'avais à dire. Vous savez, quand vous parlez à une autorité, vous n'allez pas couper l'autorité. C'est l'autorité qui vous dit au revoir. Donc, j'étais en train de vous dire que je m'adresse encore une fois de plus à ces fans qui veulent rester dans l'anonymat. Je vais vous parler. Vous avez décidé de rester dans l'anonymat. Ça, c'est pas mal. Mais de là à m'informer que vous restez dans l'anonymat, de quoi je me mêle? Vous savez, quand vous dites que vous êtes fan de quelqu'un, vous devez contrôler si elle va bien. Vous devez vous rassurer qu'elle mange bien, puisque vous êtes fan. Et moi, mon devoir, c'est de vous faire des choses comme je suis comédienne, humoriste, devenue chanteuse. Et moi, mon devoir, c'est de vous faire des sketchs qui vous font rire, qui vous font marrer. Et vous, votre devoir, c'est de vous rassurer que je vais bien. J'ai des fans qui attendent que je meure pour cotiser pour mes obsèques. Je ne veux pas de vous. Je vous parle aujourd'hui devant Dieu, devant les hommes. Oubliez-moi. Je ne veux plus recevoir le genre de coup de fil là, que je suis fan de toi dans l'ombre. Vous attendez le jour que je vais mourir pour participer à mes obsèques. C'est très méchant. Tout le travail que je fais là, c'est un travail qui mérite le respect, qui mérite que vous m'envoyez de l'argent pour que je mange. Depuis que je fais les sketchs depuis 10 ans, aucun mandat de vous. Mais vous rigolez, vous ricanez, vous racontez même que vous êtes fan de moi. Vous êtes fan de moi sur quelle base? Mais vous, les Africains, vous êtes même sérieux? Vous ne savez pas copier le bon exemple. Vous n'avez pas vu comment les Blancs font avec leurs artistes. Vous, les Africains, vous allez rester dans l'ignorance comme ça toute la vie. Tout ce que je fais là, je vous donne le meilleur de moi. Je ne mérite même pas le merci. Vous dites que vous êtes fan de moi. Vous me donnez quoi? Vous ne me donnez rien et vous êtes les premiers à m'insulter. Vous attendez mes obsèques pour venir participer, pour commenter. Vous profitez de mon intelligence, même pas un mandat. Vous connaissez déjà tous mon nom. Ceux qui sont pauvres, je ne vous en veux pas. Mais il y en a qui sont riches parmi vous. Vous attendez quoi pour me faire les mandats? Vous voulez que je fasse aussi le liquide pour que vous commencez à vous moquer? Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils veulent écouter mes chansons, Éternel, notre Père, notre Dieu, que moi, si que je leur envoie mes chansons pour qu'ils écoutent. Donc, ils ne peuvent pas aller prendre ça sur YouTube comme j'ai mis. Il faut que c'est moi qui leur donne ça. Vous, les Africains, vous êtes sérieux? Les Camerounais en particulier, vous êtes sérieux? Je n'en reviens pas. Hein? Je n'en reviens pas de votre comportement. Je n'en reviens pas. Accompagnez-moi dans mon salon. Je n'en reviens pas de votre comportement. C'est-à-dire, tu côtoies les Africains. Vous êtes toujours en train de vous comporter comme vous faites là. Hein? Vous êtes toujours en train de vous comporter comme je vois là. Je ne vous ai pas demandé l'argent, hein? Toi, Jacqueline, elle, Keing, ta mère pond, toi-même tu ponds. Je ne t'ai pas demandé de l'argent. Comme tu es une sale bordel, je ne t'ai pas appelé sur mon direct. Moi, je ne m'amuse pas avec vous. Tu n'as pas à venir faire tes commentaires de merde, d'idiote là. Quand tu es venu dans mon direct là, tu viens chercher quoi là? Tu fais quoi sur mon direct? Tu fais quoi là? Tu viens m'espionner, je suis ta copine. Faut faire attention. Il faut faire attention avec moi. Je ne m'amuse pas avec vous. Donc j'étais en train de dire que les fans là, les gens parmi vous là, vous dites que vous êtes fans. Vous êtes fan. C'est sur quelle base? Vous dites que vous me téléphonez. Vous me téléphonez souvent.
Je ne vais pas donner vos noms parce que je ne retiens même pas vos noms. Et puis si tu fais une semaine, tu es où? Pourquoi on ne te voit pas? Pourquoi vous cherchez les gens? Vous ne voulez faire rien faire avec nous. Vous ne voulez rien faire avec nous. Vous êtes là, vous copiez mon intelligence et vous critiquez même tout ce que je fais et vous ne pouvez jamais rien donner. Je suis obligée de parler, ça fait déjà 10 ans. Après 10 ans, je peux déjà vous dire ce que j'ai comme relation avec vous. J'ai déjà eu les cadeaux, heureusement. Mais je vous dis à vous autres, vous ne faites pas de cadeaux, mais vous dites que vous m'appréciez dans l'ombre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos appréciations dans l'ombre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai déjà 53 ans. Vous allez venir faire seulement donner l'argent pour mes obsèques. Vous attendez mes obsèques pour venir dire que vous appréciez, venir faire les miennes et porter les pantalons serrés comme les ministres seront à mes obsèques, venir chercher à draguer les ministres qui vont venir à mes obsèques. C'est ça que vous attendez? C'est ça que vous attendez? Jacqueline K.L. et Yige, je n'aime pas ton comportement. Moi, je rigole pas avec des vieilles putes comme toi. D'accord? Je ne te supprime pas aujourd'hui, mais je vais te supprimer dans. Tu m'as déjà énervé, je ne sais pas pourquoi. Parce que toi-même, tu viens écouter ce que. Je ne suis pas de ta famille. Tu viens m'écouter en tant que qui? Quand tu vas dans les spectacles des blancs, tu ne payes pas l'entrée. Parce que vous avez la chance que Facebook est gratuit, que n'importe quelle poubelle vient m'écouter. Je ris avec vous. Alors, j'étais en train de dire que les gens qui disent qu'ils m'apprécient, ne m'appelez plus parce que vous êtes dans l'ombre. Mon numéro de téléphone que j'ai mis sur Internet, ce n'est pas pour vous. D'accord? Je n'ai pas mis mon numéro de téléphone pour vous. J'ai mis mon numéro de téléphone pour des personnes importantes qui m'appellent souvent. Et je ne peux pas limiter que je prends seulement l'argent des riches. Vous aussi, vous devez faire les efforts. Puisque vous venez m'écouter. Vous êtes là, vous venez m'écouter. Pourquoi vous êtes là, vous pensez que je dois toujours attendre que c'est les riches qui me donnent les cadeaux? Quand vous écoutez, ce sont les riches. Quand vous m'écoutez, là, ce sont les riches. Je mets le vernis. Et c'est vous qui racontez, qui m'a parlé de moi. Si vous étiez des vrais fans, vous êtes des millions. Vous êtes des millions. Est-ce que je dois même souffrir? Quand je n'avais pas d'appartement, c'est vous qui étiez les premiers à venir m'insulter. Les fans. Et je n'ai pas de maison. Donc, en fait, vous n'êtes pas des fans, vous êtes des ennemis. Et je suis ennemi avec vous. Depuis quand? Est-ce qu'on a fréquenté ensemble au lycée technique? Est-ce que j'ai fait l'école avec vous? Vous êtes ennemi avec moi à partir de quoi? On a discuté un homme ensemble. Est-ce qu'on a discuté un homme? Vous êtes mes ennemis depuis quand? Hein? Je ne comprends pas votre comportement. Des gens que je n'ai jamais vus. Vous commencez à me détester parce que je vous ai fait quoi? Ce que je fais, est-ce que c'est sorcier? Il est déjà 16 heures. Waouh. Faut que je sorte. Ce que je fais est sorcier.
Si vous voulez faire les sketchs, est-ce que je vous empêche de faire les sketchs? Vous me détestez, pourquoi? Parce que je pense que vous n'êtes pas mes fans. Sérieusement, je pense souvent à ça. J'ai dit, si vous étiez des fans, vous devriez savoir que l'artiste a des besoins. On ne vous demande pas de participer à ça tous les mois. Mais au moins tous les 3 mois, tant que tu fais ton bilan, tu dis, j'écoute la femme si tous les jours. Il y a des familles qui m'écoutent, un couple avec tous les enfants. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire ça. Et quand je suis froide, ils sont surpris. Vous êtes malade, je ne suis pas malade. Mais je me demande, lui, il me raconte son histoire. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Quelqu'un m'appelle pour me dire qu'on aime t'écouter, moi, ma femme et les enfants. Et en face, il n'entend pas que je réagis. Mais je ne réagis pas parce que je ne sais pas pourquoi tu viens me dire que tu m'écoutes, toi, ta femme et tes enfants. Et où est mon intérêt dedans? Même si le spectacle sur Internet est gratuit, mais toi, quand tu fais ton bilan, je suis une artiste, tu dois penser quand même que si Noël arrive, que tu me fasses un mandat, pour que je mange la queue de bœuf de mon travail, que tu profites avec ta femme et tes enfants. On doit vous expliquer ça comment? En arabe, je vous parle le bassa, pour vous dire ça. Tu veux que je te dise ça en Ewondo? Tu veux que je te dise ça en Fufulde? Iwaradi? Hamdoulilah? C'est ça que vous voulez? Vous êtes des millions à m'écouter. Quand je n'avais pas de maison, vous étiez les premiers à les raconter que je n'ai pas de logement. Que j'habite chez un blanc. Vous qui venez écouter ce que je dis. Donc, il n'y a pas un climat de confiance ni de respect. Vous voulez entendre que la voiture m'a déjà cogné et qu'on est en train de faire mes obsèques. C'est là où vous allez sortir l'argent. Je voudrais que les analphabètes qui viennent sur ma vidéo évitent de poser les questions d'analphabètes. Parce que quand toi-même, tu n'as pas fait la CIL, ne viens pas poser les questions à une personne qui a fait la terminale. Moi, j'ai fait la philosophie, je philosophe. C'est pas pareil. Tu n'as pas fait l'école, ne viens pas poser les questions parce que tu es analphabète. Tu ne peux pas faire que tu n'as pas fait la CIL. On ne t'a pas vu monter la colline de voler. Tu viens me poser les questions. Moi qui ai fait la terminale, j'ai philosophe. Moi, j'ai fait philosophie. Là, je suis assise là. J'étais à l'école. Toi, tu n'as pas fait la CIL. C'est pour ça que le français sort de ta bouche par morceaux. Évite de venir poser les questions. Je ne fais pas mes directs pour les analphabètes. Je parle avec les gens qui ont une tête. Que ça fait 10 ans que je suis sur Facebook. J'ai aussi eu des problèmes. Maintenant, je n'en ai plus. À un moment, je n'avais pas de logement. Et je n'ai subi que des moqueries. C'est à ce moment-là qu'on me disait que je n'ai pas d'argent, je suis fauchée. Tout le monde a des problèmes. Quand on dit qu'on a les hauts et les bas, ça explique qu'à un moment, tu peux avoir des problèmes. Et après, tu n'en as plus. Parce que Dieu est là pour tout le monde. Quand tu te bats, ta vie change. Je n'avais pas d'appartement, mais aujourd'hui, j'en ai. Et les gens qui se moquaient de moi que je n'ai pas d'appartement, non, pas aujourd'hui. Ils habitent à 10 minutes des Champs-Élysées, dans la maison d'un vieux blanc. Et un vieux blanc ne va pas te dire de payer le loyer. Tu es assise, ce que tu peux faire seulement, c'est laver ta chatte pour qu'il te touche. Et quand elle est derrière vieux, il ne touche plus la femme. Donc, tu es là, tu vas coucher avec les hommes dehors, tu viens empester la maison du vieux blanc. Tu n'as pas de maison. Tu n'étais pas à l'école, tu n'as pas de maison, tu es bête comme ta culotte. Évite de venir poser des questions bêtes ici. Ma dépression, ma casse-manga, arrête tes bêtises là. J'étais en train de dire que vous les Camerounais, tous les artistes se plaignent. Hein? Moi aussi je dois me plaindre. Vous me téléphonez pour me dire que vous êtes des fans de l'ombre. Que non, moi, je n'aime pas intervenir sur Facebook. Tu n'aimes pas intervenir sur Facebook. Sur WhatsApp, tu n'aimes pas intervenir. Tu vas intervenir quand c'est sur WhatsApp qu'on fait les mandats, on envoie le code. Tu ne fais rien de tout ça. Pourquoi tu me téléphones? Il y a des jours, je me suis révoltée quand j'ai reçu une centaine de coups de fil de cette espèce. Maintenant, ils veulent déjà me casser le tympan.
Est-ce que c'est Aline Zomo? Oui. Ah, je suis vraiment dans la joie. Oh, quelle joie, quelle émotion. Je suis tellement fan de toi. Je suis fan de toi. Je t'écoute depuis. Tes enseignements sont vraiment de classe. Et toi, tu es toujours bien habillée. Aïe. Ça fait 10 ans que vous faites ce jeu-là. Vous faites ça avec qui? Vous faites ça avec qui? Je vous calcule. J'étais pauvre avant, ça c'est vrai. Mais là, ma vie a changé. Il y a le changement. Parce que Dieu a vu vos cœurs. Vous me téléphonez pourquoi? Vous ne m'aidez en rien. Pourquoi me téléphoner et prendre mon souffle de vie? Ne me téléphonez plus. Toi, barme louée. Ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus. Appelle tes amis avec qui vous faites le Congo ça. Je ne suis pas ta copine. Ne m'appelle plus. Reste fan de moi dans l'ombre parce que je ne peux pas vous interdire de regarder la vidéo. Eh, ma petite soeur. Bonjour. J'espère que tu te portes bien. Il y a ma petite soeur qui est là. Ne m'appelle plus. Reste dans l'ombre là-bas. Parce que tu n'es pas sur Facebook, tu ne cliques pas, tu ne donnes pas ton avis sur Facebook parce que tu es caché. C'est sur WhatsApp que tu, comme tu as mon numéro, tu envoies le code pour que j'aie acheté la queue de bœuf. Tu n'as jamais fait ça, ne m'appelle plus. On n'est pas des copines. Je ne suis pas ton ami. On n'était pas à l'école, ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus, je n'étais pas à l'école avec toi. Quand j'ai fréquenté, je ne t'ai pas vu, ne m'appelle plus. Je ne suis pas ton ami. Ne m'appelle plus. Reste dans l'ombre. Vous êtes des millions, vous voulez rester dans l'ombre. Restez dans l'ombre. Je ne peux pas vous empêcher de rester dans l'ombre. Restez dans l'ombre et regardez mes vidéos, mais ne m'appelez pas. Je ne veux pas vos coups de fil de merde. Vous appelez maintenant les gens pour enregistrer, pour aller crâner que j'ai parlé avec elle. On n'est pas des amis. Vous n'allez pas épuiser l'artiste. Que vous ne lui donnez rien et vous prenez aussi son souffle. Ce n'est pas vous qui m'avez créé. J'ai une famille, des gens qui m'aiment beaucoup, qui connaissent ma valeur et ma puissance. Arrêtez de me téléphoner. Je ne veux plus recevoir les gens de coups de fil là. Que tu m'écoutes avec ta femme depuis des années et tu ne sais pas qu'il faut faire le mandat. Depuis plus de 5 ans, tu m'écoutes, mais moi, ça fait 10 ans que je fais les vidéos. Tu ne m'as jamais fait un mandat. Et tu viens m'écouter. Et je suis toujours bien habillée. Et je parle bien. Tu profites de mes conseils. Profite, ne m'informe pas. Ne m'appelle plus. La personne qui va encore m'appeler pour me dire qu'il est fan de moi dans l'ombre. Je ne vous dis pas. Je vais chauffer tes fesses et tes oreilles. La personne qui va encore faire l'erreur là. Abarga Fergan. Mayunyabi lang et moi, me tire tout et moi. Nous ba me nya loue, nous a tiens me drangzu, nous a kamene, nous a kavor les hommes à quoi ba. Tu n'es pas obligé de me téléphoner. Continue à rester dans l'ombre. Tu n'es pas obligé de me téléphoner. Il ne faut pas forcer les relations. Je ne suis pas votre ami, je suis une artiste. Je suis une star, ne m'appelez pas. On n'a rien en commun. On n'appelle pas une star pour partager. On ne se partage rien. Pourquoi vous voulez causer avec moi? Le deal, c'est quoi? Vous causez avec moi, pourquoi? On est des amis. On a fait 4 ans ensemble. On couche ensemble. Vous êtes mes belles-sœurs. Vous êtes de ma belle famille. Vous êtes de ma famille. Vous m'appelez. On a l'habitude de s'appeler. Je n'ai pas mis mon numéro de téléphone pour les copines. Je ne cherche pas de copines. M'a dit que mon voix. Je ne cherche pas de copine. Au Sengi. Je ne cherche pas de copine. Au Nare. Je ne cherche pas de copine. Yowok. Je ne cherche pas de copine. Yowok. Ne tentez plus. Il faut vous mettre ça à l'oreille comme ça là. En direct. Parce qu'il y a trop d'amalgame sur internet. Moi je ne suis pas votre ami. Non. Je ne suis pas votre ami. Je suis une artiste. Si quelqu'un apprécie ce que je fais,
Tu devais quand même avoir l'intelligence de m'envoyer un cadeau. Ah oui, les artistes, ils vivent de quoi? Vous croyez qu'on vit de quoi? On vit de quoi? Vous venez profiter des gens et vous établir des relations d'amitié. Sur quelle base? On est des amis sur quelle base? On est des amis sur quelle base? Je vais sortir, je n'ai pas aussi envie de rater ce que j'ai envie de faire parce que je parle avec vous. Je vous souhaite un bon week-end. Au plaisir. Ciao.